Discipline levels good. Je tente que les gens se connectent, hein, parce que là, je ne vais pas être très long. Et je ne vais pas être très long. Hein. Les gens sont surpris de voir le prince. Ah oui, Basile, comment tu vas? Salut à tout le monde. Je vais. Mes chers compatriotes, ici c'est le grand prince Njoria qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Vous savez, je vous avais dit que je ne veux plus venir sur la toile juste pour amuser la galerie. Mais je vais venir sur la toile pour partager quelque chose de très important avec vous. Il est évident que les médias camerounais ne peuvent pas vous montrer ce que je veux montrer tout à l'heure. Vous savez, j'avais annoncé, je crois l'année dernière, que nous avons un président. Un président nommé par le Conseil constitutionnel camerounais, qui aujourd'hui ne remplit plus toutes les conditions pour être le président légitime du Cameroun. Je suis navré pour ceux qui croient encore au Père Noël. À savoir que celui qui nous gouverne aujourd'hui n'a plus tous ses sens. Et quand j'avais annoncé ça, je me suis fait. Ça a fait tout un tourbillon médiatique. Et les gens ont essayé de justifier certaines choses. Que je vais prendre dans les détails. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la majorité, c'est-à-dire que l'entourage du président Paul Biya a laissé notre grand-père venir ici aux États-Unis pour nous donner une image non seulement négative dans le monde entier, que je vais vous montrer. L'image que notre papa, notre grand-père, qui a été le président nommé par le président la Cour constitutionnelle au Cameroun. Je vous avais dit que, vous savez, chez nous, à l'Ouest Cameroun, on respecte les grands-parents. J'avais dit que ces papas avait déjà fait son temps, qui a plein de Camerounais qui peuvent, il y a encore beaucoup de jeunes Camerounais qui peuvent encore faire l'affaire. Et j'avais aussi dit que en 40 ans, il n'a pas fait grand-chose. Et bien aujourd'hui, je veux vous montrer la personne que certains griots du régime nous présentent comme le Messie du Cameroun. Je vous laisse le soin de suivre attentivement cette vidéo qui s'est passée ici aux États-Unis. La honte de ça. Ne quittez pas.
the president of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Your Excellencies, Mr. President. Voilà, et je crois que vous avez suivi avec moi la tristesse notre président. J'ai du mal à comprendre comment ceux qui sont censés, c'est-à-dire que l'entourage du président de la République peut le laisser venir se faire humilier, comme ça c'est le cas aujourd'hui, ici aux États-Unis. Je vous avais dit que le président ne gère plus rien au Cameroun. Il n'a plus aucun pouvoir. Il est là comme un momie. Mais je me suis fait traiter de tout le nom. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Je crois que l'âge que notre papa, notre grand-père a aujourd'hui mérite d'être au village, comme il a déclaré lors de la visite du président français au Cameroun. Parce que je ne vois pas
c'est que ce papa, notre grand-père, peut encore nous fournir, peut encore faire pour le Cameroun. Alors, vous pouvez en déduire avec moi que j'ai d'autres images beaucoup plus terrifiées encore que je pouvais vous présenter. Et je vous fais comprendre que sa femme, Chantal Biya, c'est elle qui soutient son mari pour qu'il ne tombe pas. L'image que c'est notre président nommé par la Cour constitutionnelle nous a présenté ici aux États-Unis est très révélateur. Je n'ai que mes deux yeux pour pleurer. Et je comprends pourquoi au Cameroun, ça va dans tous les sens. J'avais dit il n'y a pas très longtemps qu'il était temps que le président de la République prend sa retraite politique, parce qu'en ce moment précis, il ne sert plus à rien. Les griots de ce parti, du régime, m'ont traité de tout le nom. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison, comme je l'ai dit tantôt. Non seulement j'ai mal, mais je voulais tout simplement partager cette image avec tout le monde entier qui me suit partout dans le monde, pour faire comprendre que non seulement le Cameroun est mal gouverné, notre grand pays qui est là depuis 40 ans n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Je n'ai pas envie de parler du bilan, parce que tout le monde sait que le bilan n'est pas éloquent. Je n'ai pas envie de parler du bilan. J'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes pensent toujours que le grand père que je vous ai montré ici peut encore faire quelque chose pour le Cameroun. Je peux comprendre aussi que la plupart de ceux qui sont là se soucient beaucoup plus de leur suivi quotidien. Parce que, en dehors de faire la politique au Cameroun, ils ne peuvent rien faire d'autre que de suivre. Je suis plus ou moins non seulement meurtri dans ma chair, et j'ai pas toujours, ça me fait tellement mal de vous présenter d'autres images. C'est mal. Je me pose la question de savoir pourquoi on a laissé le grand-père venir s'humilier, comme c'est le cas ici aux États-Unis. Je sais que la plupart de ceux qui l'entourent sont des milliardaires, qui beaucoup d'autres ont des 300 maisons, sans compter des bateaux et bien d'autres. Parce qu'ils savent que le grand-père en ce moment ne peut plus rien faire. J'ai mal pour le devenir du Cameroun. Je ne suis pas le seul dans mon cas. Beaucoup de Camerounais, même la diaspora camerounaise, dans tout son ensemble, a pitié du Cameroun. Oh mon Dieu, il faut que le bon Dieu vienne nous sauver. Nous n'avons pas de problème. Nous, la diaspora, on n'a pas de problème, comme ceux qui vivent, qui survivent au Cameroun. Je vous avais dit que le Cameroun est pris en otage. Parce que quand vous voyez le papa, le grand-père, qui n'entend plus rien, il ne sait plus ce qui se passe, vous avez vu qu'il pose la question de savoir est-ce qu'il y a des gens dans la salle. Il n'a même pas vu. Il est en face du monde, hein.
Le ministre et bien d'autres personnalités, il ne sait pas qu'il y a des gens devant lui. Ça veut dire qu'il ne voit même plus bien. Il ne sait pas ce qui se passe. Pour montrer l'escalier, pour aller au pupitre, là, il a fallu que ce ministre le porte. Mais cette fois-ci, là, la CIA TV et la télévision camerounaise ne peuvent pas présenter ça parce que, bon, beaucoup de ceux, soi-disant, journalistes de Pakouti, n'osent pas dire la vérité au peuple camerounais. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la vérité, c'est comme les fesses. On oublie de s'asseoir avec. Donc, tôt ou tard, ça va se savoir. Et non seulement ça me fait de la peine, et cette fois-ci-là, notre président est venu, le président nommé est venu aux États-Unis pour se faire humilier parce qu'il voulait rencontrer le président américain avant de mourir. Eh bien, c'est fait. Je peux aussi vous annoncer qu'il est évident que l'année prochaine, je ne peux pas vous garantir à 100% qu'il y aura des élections anticipées. Alors, je saute la main des Camerounais de sortir massivement voter pour le parti qui a quelque chose pour le Cameroun, dont le MSC, le parti de Maurice Kamto. Lui, au moins, il n'a pas faim. Maurice Kamto n'a pas faim. Il a de quoi suivre. Il a de quoi nourrir ses enfants. Il a de quoi vivre. Mais tout ce qu'il veut et ce qu'il attend, c'est d'aider les Camerounais pour donner encore, pour redonner encore l'espoir aux Camerounais. Donner la dignité aux Camerounais. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, j'avais, et je continue à le dire, que je ne veux plus trop parler, juste pour amuser la galerie, parce que ça fait longtemps qu'on parle, mais il n'y a rien qui se passe. Mais, d'après les informations que nous avons, quelque chose va se passer l'année prochaine. Donc, dans moins de 3 semaines. J'ai entendu ici, là, les gens m'ont interpellé. J'ai reçu des milliers de messages des Camerounais de partout dans le monde qui m'interpellent pour me demander mon avis sur ce qui se passe sur la toile. Savoir que le futur président peut être le fils du président actuel. Je n'ai pas changé d'avis. Que ce monsieur n'a pas encore, il ne s'est pas encore prononcé si jamais il est candidat ou s'il sera le futur président de la République du Cameroun. J'interpelle ici la majorité des Camerounais, que ceux qui ont, au fond, le privilège de me suivre partout dans le monde connaissent ma position. J'attends rien du Cameroun. Nous avons la famille là-bas. Et ça fait mal quand on a la famille et qu'on doit tout le temps envoyer l'argent pour faire vivre ces familles au Cameroun, parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Je n'ai pas envie d'énumérer tout ce qui se passe au Cameroun, parce que ça se fait presque tout le temps par d'autres Camerounais qui, n'est-ce pas, ont quand même l'amour pour le Cameroun. Et bien que ces personnes se sacrifient beaucoup pour, n'est-ce pas, dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun. Donc, je ne peux pas. Je vous avais dit que je vais venir sur la toile que quand il y a quelque chose de très important, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je ne peux pas venir sur la toile juste pour amuser la galerie, comme beaucoup d'autres. Et j'encourage ceux qui encouragent et qui veulent le changement au Cameroun. Pas dans la violence, bien entendu. Vous savez, tous ceux qui connaissent ma position savent que je ne suis pas quelqu'un qui prend la violence. Moi, je veux que ceux qui luttent pour le pouvoir prennent conscience que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu fais partie intégrante du Cameroun. J'ai trop mal quand je vois un grand-père qui refuse d'accepter
qui n'est plus à la hauteur. Ça fait de la peine. Je vais vous revenir dans les prochains jours pour vous annoncer qui sera le prochain président. C'est-à-dire que le pouvoir va choisir. Et je vous dis encore, et je viens ici pour porter un démenti, que Frambia, je dis bien Frambia, ne sera pas le prochain président du Cameroun. Parce que le Cameroun, ce n'est pas une dynastie. Vous savez, dans ma région, dans le Noun, il y a une dynastie. Eh bien, ce n'est pas le cas au Cameroun. Le Cameroun, c'est une république, ce n'est pas une dynastie. Donc, je pense que ceux qui pensent que ce qui s'est passé au Gabon et au Tchad va se passer au Cameroun, ben nous allons protester. Nous allons protester si ça arrive. Bien que on n'a pas des armes pour se défendre, mais on va protester. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ici, c'est le grand prince Joya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Et je vais vous donner d'autres informations. J'ai des autres images de notre grand-père que j'ai tellement, comme on dit en anglais, it's too graphic to show to you guys. That's why I show it to you. Next time, I'll be doing that. Have a lovely day. This is Prince Joya. Thank you very much.